Alors François Boiron, bonsoir. Alors, quand tu étais petit, c'est vrai que tu étais autiste et que tu n'arrivais pas à parler, tu arrivais à dessiner, que c'était un peu ta planche de salut, le dessin. Ouais, un petit peu. Enfin, c'était plutôt, j'appellerais ça un autisme doux, parce que c'était pas... C'était, ça n'allait pas jusqu'à côté maladif, mais c'est vrai que je ne parlais pas tellement. Rien. Ouais. Et tu dessinais. Ouais, ouais. T'es le fils de Michel Boiron. Ouais. Finalement, t'aurais pu faire dans le cinéma, non? Facilement. Bah oui, mais c'est peut-être dû à mon autisme doux, justement. Je ne pourrais pas travailler avec des gens. Moi, ce que j'aime bien dans la peinture, c'est de passer mes journées tout seul dans mon atelier. Ouais. C'est les restes de l'autisme, ouais. Mais ouais. Tu penses quoi de ton père en tant que cinéaste? Bah, j'aime beaucoup. Ma mère aussi est cinéaste. Ouais. Les deux, ils ont fait des films ensemble. Et... Moi, je les aime beaucoup, ces films. Je trouve qu'il y a toute une période, les premiers films avec Brigitte Bardot, tout ça. Tu l'as vu, Sacré Gamine? Ouais, tu parles. 1955. C'était le premier film de ton père. Ouais, ouais. C'était un des tout premiers succès de Brigitte Bardot. Ouais, exactement, ouais. Donc, moi, tu penses que ça... assez. Ouais. Il y a vraiment un bonheur dans ces films. J'adore les regarder, surtout je suis avec Dario Moreno, Voulez-vous danser, des choses comme ça. Moi, ça te plaît? Beaucoup, ouais. Alors, l'arrivée de la figuration libre sur le marché de l'art, c'était un coup de force total. Combas, Di Rosa, Blanchard, vous avez démodé les réalistes de l'époque, les conceptuels, le pop art qui était un peu athélo, l'art brut qui était un peu sociaux, vous êtes arrivé comme ça. L'art brut, ça nous a bien influencé, ça. Ouais, quand même. Non, c'est sûr que c'était un peu. Enfin, ça changeait beaucoup de tout ce qui pouvait se passer dans l'avant-garde et tout ça, parce que c'était. Nous, je veux dire, on ne s'est jamais vraiment intéressé comme ça. On n'a pas une idéologie d'avant-garde ou de modernité ou choses comme ça. Ce n'est pas tellement les choses qui nous intéressent. Moi, je sais que j'ai plutôt envie d'être authentique que moderne. Tu as dit, ma peinture ne cherche pas à être intelligente. Moi, je suis un peintre imbécile. Bah oui, ouais, c'était un peu... Pourquoi? Bon, je disais aussi que j'ai pas à m'en réfléchir. C'était un peu justement de pas... de chercher comme ça un peu les choses que j'avais envie de faire sans forcément savoir à quoi elles pouvaient correspondre et tout ça. Moi, je sais, quand j'étais aux Arts Déco, il y avait un prof une fois qui m'avait sorti, il faut ne peignez pas si vous ne savez pas l'expliquer. Alors ça m'a un peu effaré. Alors justement, moi, j'avais plutôt envie de peindre des choses que tu comprenais pas. Bah oui. C'est ça qui me paraît importante et puis intéressante. Alors, ce qui est très intéressant et très étonnant dans l'aventure de la figuration libre, c'est que finalement, c'est Obal qui l'a très bien dit, d'ailleurs, il a dit que c'est peut-être un des seuls mouvements picturaux du XXe siècle qui a été dans la grande presse avant d'être dans la presse spécialisée. C'est-à-dire que les médias se sont très très vite intéressés à vous, non? Oui, c'est vrai, oui. Ça tient aussi un peu au fait que pendant 20 ans, enfin, il y a eu comme ça une peinture très, très coupée des gens qui était assez comme ça, il faut être très élitiste, hein, pas vraiment, pas du tout populaire. Ouais. Donc c'est un peu cette... J'imagine que les journaux étaient contents de trouver des gens avec une, comme ça, une peinture d'approche assez, assez simple et tout ça. Puis c'est vrai qu'on avait envie de s'adresser à beaucoup de gens, et tout, pas seulement justement aux gens du milieu de l'art. C'est un peu ça qui a provoqué ça, certainement. Il y a eu un phénomène de mode terrible. Les frères Ripoulin, les musulmans fumants, Beaugest. D'un seul coup, c'était très bien vu de devenir peintre. Bah oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu comme ça tout un... Je veux dire que les débuts, moi, je trouve qu'il y a eu comme ça un côté un peu démagogique. Et ça, je plaide un peu coupable, parce que c'est vrai que c'était présenté comme allez, on va faire n'importe quoi. Alors que c'était pas seulement ça, quand même. C'est vrai que le fait de dire que la sous-culture, enfin que Dallas valait autant n'importe le vent ou à la recherche du temps perdu. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, quoi. Et 10 ans plus tard, alors, quel jugement tu portes sur tout ça, sur cette aventure, cette explosion de la figuration libre? Ben, justement, je pense que ça a été un peu superficiel. Enfin, les choses ont été vues comme ça un peu superficiellement et puis un peu trop... Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté un peu facile et démagogique, c'est sûr, dans la façon dont les choses ont été présentées, tout ça. Et elle va où, la figuration libre, donc au début des années 90? Ben, déjà, c'est du complètement... Enfin, chacun a fait sa peinture de la façon la plus personnelle possible. Ouais. Donc, ou sinon, j'ai fait une autre série sur la télévision. Oui, t'as fait le PAF. Ah, oui, le PAF. Ben, justement, moi, je trouve que c'est cette télévision, enfin, qu'on nomme le PAF, ce paysage audiovisuel français, ça rien que de s'appeler ça le paysage. Alors, j'ai essayé de le voir vraiment comme un paysage. C'est pas du tout un regard critique ou sociologique ou je ne sais quoi sur la télévision, c'est vraiment de regarder avec les yeux d'un peintre, d'observer un peu, de rendre cette matière de l'écran, ça. Et je me suis aperçu que personne n'avait fait avant moi. Il y a beaucoup de peintres qui sont comme ça servis du médium de la télé
comme Dan Junpei et tout ça, mais personne ne s'est vraiment appliqué à rendre comme ça. Ce qui est drôle dans l'exposition qu'il y a eu chez Naon, à la Galerie Beaubourg, c'est qu'effectivement, il y avait certains écrans cryptés, alors c'était très, ça, c'était très pointilliste, ou c'était abstrait, ou c'était expressionniste. Ce qui est amusant, c'est qu'en effet, on pouvait retrouver l'histoire de la peinture à travers ça. Exactement, oui, parce que par exemple, quand on a peut-être dérigé, ça fait en effet un tableau abstrait où il y a souvent un monochrome entre les plumes. Quand Canal Plus, on n'a pas le code, ça fait un peu comme l'impressionnisme. C'était amusant comme ça de chercher un peu toutes ces matières. Et tu as fait le PIF aussi, alors ça c'est le... Le PIF, oui, c'était le paysage intimement familier. Ouais. Ça c'était un peu... Ça reprenait un peu les choses que j'avais commencé sur Paris avec comme ça des vues de Paris, assez, puis aussi des vues de mon intérieur, de mon lit, de mon canapé, et puis aussi des paysages. Ça faisait un peu tous les paysages qui pouvaient m'entourer. Et combien de temps tu mets pour faire un tableau? Je veux dire que quand j'ai commencé, je mettais peut-être 2 heures, et maintenant je mets une semaine. C'est de moins en moins rentable, alors. Enfin, ils valent plus cher, là, pas de temps. Ça vaut combien, par exemple? Ça vaut, je sais pas, une toile moyenne, ça vaut 50 000 francs. L'expo, elle est terminée, là, à la Galerie Beaubourg, mais on peut les voir où, tes tableaux? Il y en a quand même là, non? Ouais, il y en a toujours là, à la Galerie Beaubourg, et puis... Je crois que l'an prochain, il y aura une exposition à Marseille, au FRAC de Marseille, avec mes camarades, justement, avec Combas, Dirosa et Blanchard. Vous voyez toujours, quand même? Ah oui, on se voit toujours. Non, vous êtes copains, il n'y a pas de problème? Aucun problème. Il n'y a pas de guerre d'école? Non. Bon. Enfin, on se dispute souvent, mais moi, non, ça va bien. Alors, si on devait donner une définition de toi, tu dirais quoi? Une définition de moi, ça... Une devise, une épitaphe, une phrase qui te résume? Moi j'en ai une. Oui, c'est vrai. J'espère qu'il y aura le mot simplicité. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, t'as dit une phrase qui est très très bien. C'est vrai. T'as dit je suis un compliqué à la recherche de la simplicité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça te va? Très bien. T'achètes? Non, tout à fait. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.